Bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, là, je suis... J'ai fait ma première journée au salon, mais ce bout de vidéo-là, je vais le mettre avant. Donc voilà, je vous ai tourné un petit vlog sur la journée que j'ai passée au salon des loisirs créatifs de Compiègne. Voilà, excusez-moi, il y a le chat du voisin qui miaule. Désolée si vous entendez. Une journée qui avait très mal commencé, mais qui s'est bien terminée, sauf pour mon porte-monnaie. J'ai craqué sur beaucoup de choses, et franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Moi, voilà, c'était mon premier salon, donc forcément que je suis heureuse d'y avoir participé. Et voilà, et j'y retourne demain pour rencontrer Annabelle et Sylvie. J'avais lancé un petit appel sur la chaîne en vous disant, voilà, si vous voulez me rencontrer, voilà, je serai disponible pour cela sur le salon. Donc voilà, Annabelle et Sylvie m'ont répondu, donc c'est avec grand plaisir que je vais les retrouver demain, voilà, pour qu'on se fasse un petit coucou. Donc au niveau du scrap, sur le salon, il y avait pas mal de boutiques de scrap. Donc il y avait Lorelei Design. Donc cette marque-là, je la connaissais déjà. J'avais déjà acheté des tampons de chez eux à la Fourmi Créative. Mais donc je ne savais pas qu'ils avaient un stand. Pardon. Une boutique. Voilà, comme ils m'ont expliqué. Ils sont souvent sur des salons. Mais voilà, ils ont une boutique en ligne. Et sinon, voilà, vous les retrouverez chez des revendeurs comme la Fourmi Créative, par exemple. Il y avait une marque que je ne connaissais pas, Simply Graphic. Je ne me rappelle plus le nom de la dame. Très gentille dame qui m'a super bien accueillie aussi sur son stand. Qui a des jolis produits également. Donc c'est elle qui crée les designs, qui fait les dessins. Et voilà, donc je vous montrerai ça en vidéo après, bien évidemment. Également, j'ai rencontré Marie-Hélène Geffray, pareil, qui m'a accueillie avec beaucoup de gentillesse, qui a même accepté une petite interview. Et donc, pareil, Marie-Hélène, elle nous vient de Normandie, elle est basée à Évreux, et pareil, c'est elle qui design tous ses produits. Donc ses dyes, ses tampons, ses papiers, voilà. Et donc elle a également de magnifiques choses. Ensuite, il y avait Univers Scrap. Pareil, là j'ai discuté aussi avec une dame qui est leur collaboratrice. Et donc visiblement, c'est grâce à eux que le salon est venu sur Compiègne. Donc voilà, je les en remercie parce que moi j'ai Je ne peux pas aller sur des salons, je ne peux pas. Paris n'est pas loin d'ici, mais je ne peux pas me permettre d'y aller. Donc là, voilà, là, c'est à 15 minutes, top chrono, en voiture de chez moi. Donc là, il n'y a pas mieux pour moi. Donc j'espère que ça va marcher cette année pour qu'il puisse y avoir une nouvelle édition l'année prochaine. On verra bien. Donc voilà, Univers Scrap. Donc là, c'est une boutique où on retrouve, ils vendent d'autres marques, mais ils ont aussi leurs propres tampons et dyes. Donc voilà, c'est eux également qui font les designs. Donc voilà, là aussi, je me suis laissée tenter. Ensuite, il y avait Cat en Scrap. Donc voilà, j'ai été accueillie par Cathy Gel sur le stand, qui est la créatrice de la marque et qui fait pas mal des designs. Il y a d'autres créatives aussi qui font des designs, mais elle en fait pas mal. Et donc voilà, qui a eu aussi la gentillesse de m'accueillir et de m'accorder une petite interview. Donc voilà, vous allez voir tout ça dans la suite de la vidéo. Vous verrez que je n'ai sur aucun des stands, je n'ai filmé les produits parce que voilà, on n'a pas le droit pour des questions évidentes
de... Désolée, bien évidemment, ça a coupé. Je n'avais plus de batterie après cette journée, c'est normal. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que voilà, je n'avais pas filmé les produits pour des raisons évidentes de copyright, pour pas qu'on leur ship leur design. Mais j'ai filmé les créations qui ont été faites avec leurs produits. Voilà. J'ai toujours été dans le respect. À chaque fois, j'ai demandé si je pouvais filmer. Et pareil, les personnes qui m'ont accordé des interviews, d'autres n'ont pas voulu. Il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Voilà, donc ce que j'ai respecté, voilà. Moi-même, je suis timide. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je suis très timide. Justement, là, c'est pour moi, c'est un exercice. Je me force, mais dans le bon sens. Voilà. Mais donc voilà, j'ai respecté chacune des personnes qui m'ont accueilli sur le stand. Donc oui, j'en étais à 14 scraps. Excusez-moi, je suis perturbée. Voilà, ça y est, j'avais un truc sur mon écran qui était apparu. Donc voilà, Cathy de chez 14 scraps qui m'a accueillie. Et donc voilà, j'ai pu récupérer. J'avais fait une petite commande puisque mercredi, elle nous avait présenté la nouvelle collection qui est sur le thème de la photographie. Voilà. Ensuite, il y a une autre boutique qui s'appelle Créa Scrap by SYL. Peut-être Sylvie, je ne sais pas. J'ai pas pu aller sur cette boutique parce que le stand était assez petit et il y avait plein de monde devant qui bouchait l'entrée. Donc du coup, je n'y suis pas allée. Donc je peux pas trop vous dire ce qu'elle présente. De loin, j'avais vu des tampons Ah mince. Je ne sais plus la marque. Les ateliers de Karine, voilà. J'avais vu ça de loin, donc bon, je sais pas trop du coup ce qu'elle proposait. Ensuite, il y avait une boutique Les Doigts de Fée. Donc là, voilà, on retrouvait plein de marques différentes dans les dies, les tampons, les papiers, les pochoirs. Enfin, voilà, il y avait énormément de produits. Ensuite, il y avait plein d'autres sortes d'exposants. Pour celles qui aiment la couture, le patchwork, la broderie, donc tout ça, il y avait. Il y avait aussi un stand où on retrouvait des diamond paintings. Donc là, je n'ai pas filmé. Parce que voilà, pour moi, je ne me vois pas filmer sans acheter quelque chose. Donc voilà, comme je n'ai rien acheté, j'ai pas demandé à filmer. Enfin, voilà, ça se fait pas. Mais ils avaient vraiment de très très beaux diamond paintings. Magnifique. Des toiles complètes ou des toiles partielles. Et franchement, c'était. On voyait que c'était de la bonne qualité. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un stand où il y avait plein de cabochons. Il y avait plein de choses. Il y a un stand où ils vendaient des colles, un stand où ils vendaient des lampes. Pour tout ce qui est travail, les travaux manuels, les lampes où il y a des loupes, etc. Et j'en oublie d'autres. Après, il y avait des choses qui n'avaient rien à voir avec les loisirs créatifs, mais qui font plaisir, comme je crois qu'il y avait un stand de chocolat, le comptoir du cacao, un truc comme ça. Il y avait aussi des stands de produits culinaires. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait vraiment pas mal de choses. Mais côté scrap, voilà, on avait quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept boutiques. Et je me suis également arrêtée à la boutique. Donc, c'est les loisirs créatifs de Génie. Et là, elle nous présentait en fait ce qu'elle elle pratique plusieurs loisirs. Et là, elle nous présentait le killing. Le killing, je sais ce que c'est. Mais je n'ai jamais pratiqué. Ça fait longtemps que je voulais m'y essayer. Mais là, du coup, bah, c'était l'occasion. Un petit atelier comme ça, voilà. J'ai fait un petit lapin.
sais pas où je l'ai mis, je vous le sortirai après. J'ai fait un petit lapin. Et donc, voilà. Elle nous a très bien accueillis. Donc, on était 3 personnes à participer à son atelier. Elle avait plein d'ateliers tout le long de la journée, hein. Il y avait un atelier pour faire un lapin, un pour faire des oiseaux, un pour faire des papillons, un pour faire des coccinelles. Et donc, voilà, moi j'ai pris l'atelier lapin. Peut-être que demain j'en referai un, je ne sais pas. On verra. Mais voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Eugénie était vraiment bonne pédagogue, très gentille, elle expliquait bien. Et donc voilà, en plus on était en petit comité, on était 3 personnes à le faire. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, donc bah, du coup j'ai acheté aussi un peu de matériel pour me lancer là-dedans, parce que le keening peut se prêter au scrap. On peut mettre des éléments, que ce soit sur des pages 30-30, ou on peut habiller sa page avec des petites arabesques, ou même pour de la carterie, n'importe pas qu'on peut faire des petits lapins et tout. Voilà, c'est. Donc, j'avais envie de m'y essayer, là, voilà, c'était l'occasion et je regrette pas du tout, du tout. Que vous dire d'autre? Je crois qu'il y avait aussi un stand où il y avait de la feutrine. Elle proposait aussi la dame un atelier pour faire des petits gnomes. Il y avait une dame aussi qui présentait des choses en fleurs séchées. Pareil, elle faisait un atelier aussi. Donc voilà, enfin, il y avait plein plein de choses. On ne savait pas où donner de la tête. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser découvrir ma journée que j'ai passée tout au long de ce petit vlog. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que voilà, bon, j'ai vraiment passé une agréable journée, ça m'a changé. Moi qui ne sors plus, qui n'ai plus d'activité, qui ne fait plus rien, à part boulot, dodo, métro, boulot, dodo, comme on dit, quelquefois action. Voilà, là, ça m'a fait voir autre chose, voir du monde. Voilà, j'ai beaucoup échangé, que ce soit avec les personnes sur les stands ou là lors de l'atelier, avec les dames avec qui j'ai partagé l'atelier. D'autres personnes, voilà, c'est facile à trouver à discuter avec des gens qui ont la même passion que vous. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse découvrir mon vlog et j'espère que ça vous plaira. Bonjour à toutes et à tous. Bah voilà, c'était un vlog qui devait bien commencer et ben, finalement qui va très mal. Voilà, je voulais vous prendre aujourd'hui, faire un petit vlog sympathique aujourd'hui et demain au salon créatif de Compiègne. Et sauf que bah voilà, je viens de rentrer dans ma voiture et elle ne démarre pas. Donc bon, ben, là j'ai appelé mes parents. On va essayer de la pousser pour qu'elle puisse démarrer. Et voilà. Donc du coup, ben, je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir aller au salon parce que ben, du coup, si jamais on arrive à la démarrer, il va falloir aller au garage pour qu'il me change la batterie. Et voilà. Donc voilà, moi qui me faisais une joie d'aller au salon, là je suis un peu dégoûtée. Surtout que là, ça fait 8 jours d'affilée que je travaille. Ce matin, je vais me lever de bonne heure. Justement, j'ai eu du mal parce que bon, bah, je suis rentrée hier soir, il était plus de minuit. J'ai pas réussi à me lever de très bonne heure parce que ce matin, j'aurais voulu passer justement comme à Marny où se tient le salon. Il y a une action, je m'étais dit tiens, je passerai à l'action avant et ensuite je file au salon. Mais du coup, j'ai pas réussi à me lever de bonne heure. Et là, donc, il était 9h30. Le salon ouvre ses portes à 10h. Donc voilà, il me faut un quart d'heure pour y aller. Je me suis dit, bon, c'est bon, ça me fait un quart d'heure de battement. Bah voilà, sauf que ma voiture n'a pas démarré. Donc bon, j'attends, j'attends patiemment. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à la faire démarrer. Donc bon, je suis un petit peu embêtée. Je voulais pas déranger mes parents, mais là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire du tout, sinon je suis un petit peu embêtée. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger, que je vais quand même pouvoir aller au salon. Surtout que
je devais aller voir les filles de Catan Scrap. J'avais fait une petite commande que je dois aller récupérer. Puis je voulais faire une petite interview. Donc bon, est-ce que ça sera partie remise? Je ne sais pas. Pareil demain, je devais y retourner demain et rencontrer deux abonnés. Je devais rencontrer Sylvie et Annabelle. Donc bon, j'espère que ma voiture, ça sera réparée d'ici là. Bon bah voilà, je suis. Enfin, vous entendez ma déception. Et voilà, moi qui me faisais une joie de faire ce petit vlog qui change un peu. Bah voilà. Bon. Je suis dégoûtée. Honnêtement, j'ai même un petit peu pleuré avant de tourner la vidéo. Parce que voilà, ça tombe toujours bah, quand il faut pas. Hein. Forcément. Forcément. Enfin bref, bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse, je vous reprends si mes problèmes sont résolus. Bon, ça y est, problème réglé. Bon, c'est déjà ça. Donc voilà, je pars, même si du coup je suis un peu perturbée. Et bon, contente quand même de pouvoir y aller. Et voilà. Bon, du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire avant. Mais déjà, je peux y aller, c'est déjà ça. Donc, je vous reprends plus tard quand je suis arrivée là-bas. Ça y est, je viens d'arriver, je suis garée, ben, on va y aller. Je suis un peu toute excitée parce que c'est mon premier salon, j'ai jamais fait de salon de loisirs créatifs. Et voilà, de rencontrer, j'espère que je vais vous rencontrer. Je me suis fait une petite étiquette avec mon logo pour au cas où je croiserai l'une d'entre vous. Bon, après, voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas, ma chaîne elle est pas connue donc. Il y a peu de chances. J'avais lancé un petit appel. Donc voilà, j'ai Annabelle et Sylvie qui m'ont répondu. Donc je les rencontrerai avec grand plaisir demain. Et donc là, bah, déjà, je vais aller voir un peu les exposants. Parce que en matière de scrap, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 boutiques. Et puis après, il y a d'autres boutiques de loisirs. Il y a du diamond painting, il y a du keeling, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Donc hâte de découvrir tout ça. Allez, on y va. Bon, je pense que ça va être un petit salon. Hein. Ici, c'est pas une grande ville. Mais bon, déjà c'est super qu'il y ait ça cette année. Moi voilà, comme ça me donne l'occasion au moins pour une fois de pouvoir participer à un salon de ce genre. Donc voilà, j'espère que je vais faire des jolies rencontres. Voilà, bah je vous reprends à l'intérieur. We'll be right back.
à toutes et à tous, je suis sur le stand de Marie-Hélène Geoffrey, donc voilà, qui a la gentillesse de nous parler un peu de sa marque. Donc bonjour Marie-Hélène, bonjour. Je vous remercie pour cette petite interview. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre marque? Oui, tout à fait. Alors moi donc, je m'appelle Hélène Geoffrey, mon pseudo c'est Lilou, je viens de Normandie, Évreux. J'ai créé ma marque il y a 4 ans à peu près, donc je dessine des papiers, des tampons, des dice, des badges, et puis ben, j'essaye de faire différents salons pour faire connaître la marque. Enfin, nous sommes à Compiègne aujourd'hui, le week-end prochain je serai à Talma, dans la Somme, le week-end suivant je pars en Crope en Savoie, et puis on se retrouve également à VS à Paris. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup, merci pour votre accueil et votre gentillesse. Merci à vous, à bientôt. Merci. Bonjour Cathy, je suis avec Cathy Gel de Cat & Scrap qui a la gentillesse de m'accueillir sur le stand. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre marque pour celles qui ne connaîtraient pas? Oui, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir chez Cat & Scrap sur notre petit stand sur Compiègne, le nouveau salon de loisirs créatifs. Donc, nous existons depuis bientôt 11 ans. J'étais une fondue de scrap et j'ai commencé à dessiner il y a bien plus longtemps que ça et j'ai donc créé la marque Cat & Scrap. Notre spécialité, c'est de vous proposer des sets de tampons avec les matrices assorties, toujours. On vient de sortir une mini collection sur le thème de la photo. Vous pourrez faire de très jolies pages et albums. Mais comme à chaque fois, vous plébiscitez nos petits animaux que vous aimez beaucoup. Donc, le nouveau duo qui fait le pitre devant l'objectif, c'est pour le fun, qui vous permet de faire de très jolies cartes sur le thème de la photo. N'hésitez pas à passer sur catranscrap.com ou bien si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là à nous appeler ou à nous contacter par mail. Et voilà. Puis on peut peut-être vous retrouver sur un prochain salon. Oui, notre prochain salon, ça sera donc version scrap à Paris, au bois de Vincennes, dans à peu près un mois, ça doit être autour du 1er avril, mais c'est pas une blague, on sera vraiment là. Et puis vous proposez toujours donc des ateliers sur votre atelier à Dijon. Oui, alors il y aura des ateliers sur version scrap. N'hésitez pas à venir dès l'ouverture du salon chaque jour pour vous inscrire parce que les places partent très très vite. Et ensuite on vous propose des ateliers chez nous à Dijon en Bourgogne à l'occasion de chaque sortie de collection ainsi qu'une crop au mois de mai pour faire sur un week-end de partage et de détente, partager notre passion commune, le scrap.
Ben, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre accueil et votre gentillesse. Et puis, je vous retrouve bientôt sur votre site parce que voilà, vos collections sont vraiment à tomber. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du salon, voilà, je passe un bon moment. Il y a pas mal de choses en scrap, la carte bancaire à chauffer bien évidemment. Donc là j'attends, je vais prendre une petite pause déjeuner, mais bon il y a un peu trop de temps d'attente parce que je me suis inscrite à un petit atelier, donc du coup voilà, je vais attendre pour faire mon atelier et j'irai me restaurer après. Donc, franchement c'est vraiment sympa et je suis ravie. Est-ce que ça va? Oui. Oui. On fait un peu plus dur? Oui. On avait assemblé deux bandes. Comme ça. Et non, celle-ci. Deux bandes. Oui. On va la rouler. Et là, je vous propose d'essayer d'utiliser ça. Ça, c'est un guide. Donc, ça marche qu'avec le stylet en bois. Parce que la goupille est plus fine. Donc, on met comme ça. Et on va rouler. D'accord ? Donc on met dans la pente, on fait glisser et on roule. Et ça, ça vous permet tous les droits et de bien superposer. Alors vous allez rouler entièrement cette longue bande. Prenez votre temps, moi je vais vite parce que c'est normal. Hop là. Vous roulez une bande simple pour continuer à faire les pattes et on la laisse se dérouler dans un gabarit numéro 15. On commence par rouler par le côté rose. Donc voilà, comme d'habitude, on met la bande dans la fente, on fait glisser au début et on roule. Une petite spirale. C'est pourquoi il nous faut une petite bande. Donc on va lui faire une petite queue blanche. On va la rouler entièrement et laisser se dérouler dans un gabarit numéro 10. Donc pour faire une pâte avant, une spirale comme ça, on va pincer comme ça pour avoir une forme de goutte et après on courbe la pointe. On pince d'un côté pour avoir une forme de goutte. Et on courbe la pointe. Et en fait, elle a la même forme que la pâte avant. C'est-à-dire qu'on prend notre spirale, on la pince et on courbe la pointe. On fait une goutte et on va coller la carotte. Pour coller la carotte, vous la mettez comme ça avec des épingles pour la maintenir qu'elle ne bouge pas. Ensuite, vous prenez un petit feuillage. Oh, mince. Oui, voilà, comme ça. C'est bon. On va rattraper le truc. Ouais. Ou pas. Ah, aussi. En plus, avec la tête.
donc on prend un feuillage, on met de la colle ici, comme ça, et on colle bien au-dessus. Oh. Si vous voulez mettre une épingle, vous pouvez. Et on va faire pareil avec les autres, donc il faudra mettre de la colle au bout et venir. Donc on va la positionner à peu près comme ça, quoi. Ça veut dire qu'on va prendre l'oreille, mettre de la colle bien quand même là, comme ça, au bout. On va dire sur un tiers. Hein. Et hop, on appuie là comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'il y ait les oreilles bien droites ou un peu en arrière. Ça va être un peu rond et ovale. Et après, on pince pour avoir une forme. Si vous voulez, il fait des démonstrations. Ah ben, on va y regarder. Bonne créa. Merci. Alors, ça va la pâte comme ça. Voilà, c'est très bien. Alors, l'autre oreille, vous allez la positionner comment? Moi je vais la mettre pareil. Ah bah c'est vous qui voyez. Chacun il fait ce qu'il veut. Alors, pareil, hein, on met de la colle, on va dire, sur un tiers. Voilà. Ouais, parce qu'on voit bien que la colle n'est pas sèche. On va prendre un petit peu de colle. Juste un petit peu de colle juste sur le bord pour le faire. Je viens de finir mon atelier, donc maintenant une petite pause s'impose parce que là j'ai faim. Donc petite crêpe chèvre miel et crêpe au Nutella, voilà. Histoire de recharger les batteries. En tout cas, l'atelier super sympa. De toute façon, dans le montage, bien évidemment, je vous aurai inclus quelques moments de cet atelier. Mais en tout cas, vraiment. Ça a été un super bon moment passé avec Eugénie et les dames qui ont fait l'atelier avec moi. Vraiment, c'était très sympa. Bon, voilà, je sors du salon. On met ça maintenant. Donc voilà, j'ai passé une bonne petite journée. J'ai craqué hein, sur pas mal de choses, bien évidemment. J'ai passé un super moment en faisant un atelier de killing. Ça faisait longtemps que je voulais m'essayer. Là, j'ai profité de cet atelier. Et franchement, c'était super sympa. Et je ne regrette pas du tout de m'être inscrite. J'ai passé un super bon moment, voilà. Donc là, je vais rentrer, mais on va passer par Action en rentrant parce que à Marny, il y a un Action. Donc allons-y, comme si j'avais pas assez dépensé aujourd'hui.
Donc je reviens demain, bon demain je ne vais pas passer toute la journée. Je reviens demain pour rencontrer Annabelle et Sylvie. Et voilà. Peut-être que je referai un autre atelier de kiné parce qu'il y avait plusieurs modèles. Moi j'ai fait un petit lavage, je vais vous montrer après. Et donc peut-être que j'en referai un demain, je ne sais pas. On verra. Pour donner à ma belle ici. J'ai rencontré personne aujourd'hui, j'ai pas rencontré d'abonnés, mais donc j'ai bien discuté avec quelques scrapeuses et puis des personnes au niveau des stands. Voilà, il y avait des marques que je ne connaissais pas, donc voilà, c'est toujours intéressant de découvrir tout ça. Voilà, voilà, donc. Je vous ramènerai avec moi demain. Je ne sais pas si je ferai le vlog sur une journée et la deuxième journée, en sachant que demain je ne vais pas y rester très longtemps. Donc je ne sais pas, je vais voir si je monte celui-ci ce soir ou quoi. Et voilà, donc dès que je pourrai, je publierai tout ça. Voilà, bah, je vous reprends tout à l'heure. Peut-être que je vous ramènerai avec moi à Action. Voilà, je vais redémarrer, mais voilà ce que j'ai fait à l'atelier. Alors, ah oui, c'est par là. Voici ce que j'ai fait à l'atelier de Killing. Bon, c'est pas encore tout à fait sec, mais vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà, j'ai pris de quoi en faire à la maison parce que j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et Eugénie, qui nous a fait l'atelier, était vraiment adorable. Et en plus j'ai fait l'atelier avec deux autres dames et voilà, c'était très gentil aussi, donc voilà, super. Bon, en route, je rentre à la maison, je suis fatiguée. Mais avant, on va passer par Action. Comme si j'avais pas assez dépensé. Mais bon. C'est l'occasion. Là, je suis vraiment à côté, donc ça serait idiot de pas y aller. Bon, je vais couper la vidéo parce que je sais pas si j'ai trop le droit de filmer comme ça en roulant, si je me fais choper. Donc je vous prendrai peut-être, je vous emmène peut-être avec moi à Action. Allez, je vous retrouve plus tard. Allez, on file à Action. Je sais pas si je vais pouvoir trop filmer dedans parce que il y a l'air d'avoir du monde aujourd'hui. Je venais voir s'il y avait les nouveaux Dice, vous savez, de cette série là. Celle où il y a la pellicule de photographie, les trucs de pop-corn, les trucs un peu oriental, tout ça. Mais bon, c'est pas arrivé. Par contre, il y a plein d'anciennes collections. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en nouveauté? Il y a les nouveaux blocs, il y a les nouveaux blocs aussi embossés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, au niveau des encres, on trouve toujours ces encres-là. Les nouveaux tampons bois aussi, ceux qui font un peu effet vintage, ils sont présents. Les nouveaux en bout mousse sont ici également. Je vois pas spécialement de nouveauté. Ah, le retour des Rhinestones. 74 centimes. Ben ça, je vais m'en reprendre parce que j'en ai beaucoup utilisé. Et là, je vois qu'ils sont de retour. Ah si, nouveauté. Les petits flacons avec des petites paillettes à 1,18€. Donc voilà, ça, je vais en prendre et ça, je vais en prendre, je pense. En nouveauté ici, ou plutôt en retour, nous avons les aquarelles métalliques à 1,45€. Palette, il y a également cette boîte d'aquarelles à 2,99€. Mais moi je la prendrai pas parce qu'elle ressemble fortement à l'autre que j'avais déjà pris et qui a un aspect très crayeux en fait. Donc pas pour moi cette fois-ci. Par contre, je recommande celle-ci à 5,49€. Ça y est, je l'ai testée, elle est vraiment pas mal. Et voilà, pas d'autres nouveautés sinon rayon scrap, il n'y avait pas grand chose. Et là, au rayon pack,
pareil, il ne reste plus vraiment grand chose pour le scrap. Ah si, l'autre nouveauté qu'il y a, ah, pareil, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un retour. Ce sont les boutons en forme classique de boutons de cœur ou de fleurs. Mais là, ils les ont ressortis en couleur pastel. Si je fais tout tomber. Donc à 99 centimes la boîte. Voilà, sinon je vois pas de nouveauté. Il y a toujours des petits kits pour faire les petites miniatures. Le pyrograveur, les pistolets à colle. La machine pour poser les boutons pression. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Au niveau des laines aussi, je vois pas de, spécialement de nouveautés. Bon, ça y est. Ouh. Oh, il y a du soleil. Qui dira qu'il n'y a pas de soleil en Picardie après? Donc voilà, je viens de sortir de chez Action. Pas de nouveautés, mais en tout cas j'ai pas les nouveaux dies, enfin la suite de la série que j'avais déjà, ils sont pas encore sortis ici. Et les nouveautés qu'il y a, ce sont pas vraiment des nouveautés, ce sont des retours, des rééditions on va dire. Donc voilà, mais bon, j'ai fait quand même quelques petits achats et maintenant je fonce à la maison parce qu'il faut que je fasse quelques créations pour offrir à Annabelle et Sylvie que je verrai demain, puisque là en fait ça fait super longtemps que j'ai pas touché une affaire de scrap. Bon bah vous savez un peu les raisons pourquoi, pour celles qui me suivent régulièrement, et là bon bah avec le travail tout ça, franchement là, j'ai pas le temps ces derniers temps. Donc j'avais dit qu'il fallait que je prépare quelque chose et j'ai pas eu le temps. Là aujourd'hui j'avais pris heureusement j'avais une ou deux ATC d'avance, je les avais prises avec moi sur le salon au cas où j'aurais rencontré l'une d'entre vous. Bon, j'ai rencontré personne, donc dans un sens, tant mieux, vu que j'avais pas fait de choses exprès. Mais là, du coup, je veux filer à la maison, vite faire quelques créations pour offrir aux filles demain. Voilà, bon. Oh, du coup, je brille avec le soleil, là. Donc, dans Action, j'ai pas trop filmé parce que je me sens pas à l'aise. Je l'ai jamais fait parce que je me sens pas tellement à l'aise de faire ça. Et... du coup j'ai pas trop filmé parce que franchement j'étais pas du tout à l'aise. Et là bah, je vais couper également parce que je me sens pas de faire la route avec vous comme ça. Je risque d'être déconcentrée. Surtout qu'il me faut pas grand chose pour être déconcentrée. Donc ah dis donc, ce soleil, magnifique soleil. Bon, il fait que 8 degrés, mais nous avons un magnifique soleil. Hop, alors, je laisse passer les gens, les piétons. Et voilà, j'attends d'être au feu pour pouvoir couper la caméra. À moins que j'ai le feu ouvert. Sinon, je couperai un peu plus tard. Ah non, je l'ai à l'orange. Hop. Voilà, et ben. Je vous dis à plus tard. Je ne sais pas si en rentrant, parce que je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de monter la vidéo ce soir. En tout cas, je vous mettrai quelques petits morceaux sur mon compte Instagram déjà. Et voilà. Donc, je vais couper parce qu'en plus j'ai du monde derrière. Je ne suis pas à l'aise du tout. J'ai pas l'habitude de faire des petits vlogs comme ça. Et vous montrer ma trombine d'ailleurs aussi. Donc je l'avais fait pendant mes vlogs à Audierne, mais c'est vrai que je ne l'ai pas refait depuis parce que ça me met pas très à l'aise. Bon. Le feu est vert, donc je vous coupe. Voilà, alors je vous reprends pour vous montrer mon petit lapinou en killing que j'ai fait à l'atelier. Bon, il n'est pas parfait, hein. C'est ma toute première œuvre en killing, mais je trouve pas si mal. Bon, il a un peu la tête ovale là. J'aurais peut-être dû faire un peu autrement, mais il est pas si mal. Moi j'en suis contente, en tout cas ça m'a vraiment plu de le faire,
Et voilà, c'est franchement, elle fait des choses extraordinaires. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Donc voilà, peut-être que demain je reparticiperai à un de ces ateliers, je ne sais pas, on verra. Mais donc voilà, mon petit lapinou. Voilà, en plus, ça va bientôt être le temps des lapinous, hein, pas que arrive à grands pas. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer aujourd'hui mes achats. Parce que du coup, comme demain, je vais essayer de couper mon vlog quand même en deux parties. Pour essayer de vous mettre cette partie-là aujourd'hui si j'arrive à monter. Et du coup, aujourd'hui ça va être dur quand même. Je la mettrai peut-être demain ou après-demain en ligne. Et puis je vous mettrai l'autre après. Voilà, demain, puisque j'y retourne, je ne sais pas, peut-être que je vous filmerai ma rencontre avec les copinettes. Mais donc voilà, sinon je vous montrerai quelques-uns de mes petits achats. Voilà. Ben sur ce, je vous laisse ici. J'espère que mon petit vlog vous aura plu. Ça change un peu. Pour une fois, je trouve que c'est du contenu vraiment intéressant. Voilà. Et ben je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao !